Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un swap de Noël avec la youtubeuse Beauty Garden. Si vous la connaissez pas, je vous mets sous le lien en barre d'infos. Cette nana, elle est géniale, mais absolument géniale. Je crois que c'est la meuf la plus sympathique des réseaux que j'ai jamais rencontrée. Elle s'appelle Marine, elle est juste fabuleuse. C'est vraiment une pépite et on a décidé de s'échanger des colis. Donc elle m'a fait un colis gigantesque et on va déballer ça ensemble. Non mais attendez, parce qu'il faut que je vous montre la taille du colis. Je l'ai... Oh, il est super lourd. Énorme. Énorme. Et elle m'a mis plein de produits à l'intérieur. C'est un truc de ouf. Donc on va ouvrir tout ça ensemble. Chaque colis est numéroté. Elle m'a fait un menu d'ouverture. Une pépite. En plus, ce colis, il sent trop bon. Marine, faudra que tu me dises quel parfum tu as mis dans ce colis parce que ça sent vraiment trop bon. Même la feuille, je peux pas m'empêcher de la respirer. Du coup, si ça vous intéresse de voir ce que je lui ai envoyé, vous allez sur sa chaîne YouTube et vous cliquez sur la dernière vidéo qu'elle vient de poster là. Alors c'est bon, j'ai tout trié. On va commencer par le numéro 1. Un basique pour la maquilleuse que tu es. Voici le cadeau numéro 1. C'est parti. Je vais déchirer comme une... Ouh, tu lis dans mes pensées. Ça fait un bail que je suis censée acheter cette crème là parce que tous les maquilleurs en parlent. Comme quoi ça fait une super base et je suis trop contente. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Donc c'est la crème Ambrolis. Donc c'est une crème dont tous les maquilleurs parlent comme base. C'est une pépite apparemment. Et il y a de nombreuses stars qui l'utilisent sur les tapis rouges et tout avant de se maquiller. C'est un truc de ouf. Et dedans, on a un soin booster pour les cils et les sourcils. Et ça tombe bien parce que j'ai arrêté de m'épiler les sourcils. Et je cherche à les faire pousser un maximum. Donc vraiment, c'est génial. Merci beaucoup. Donc en numéro 2, on a la trousse Oh My Cream. C'est une marque que je ne connais pas du tout. Donc on va voir ça. Je déballe comme une... Waouh. Attendez. Alors là, vous voyez, on est en plein dans le domaine de Marine. Cette trousse, elle comporte plein de petits trucs de skincare. Donc il y a des petites miniatures, c'est trop cute. L'huile prodigieuse de Nuxe en miniature, elle est trop cute. Tiens, un gua sha quartz de chez Sephora. Ça aussi, c'est bien apparemment pour les cheekbones. On appelle ça comme ça? Je suis pas sûre. Ça c'est bien pour travailler la forme du visage. En plus ça tombe bien parce que j'ai pris des joues de ouf. Avec mon petit bébé. Antipodes, je connais cette marque. C'est la seule marque que je connais dans tout ce que tu m'as mis. Avec Nuxe. Pourquoi j'ai envie de dire NYX à chaque fois? Et le reste des skincare que tu m'as mis, je ne connais pas du tout. Et ça me fait plaisir que tu me fasses découvrir plein de produits skincare comme ça. Je vais littéralement me déchirer la tronche avec tout ce que tu m'as envoyé. En numéro 3, on a donc la trousse Marionneau. La trousse Marionneau, c'est qu'elle est... Elle est là, la trousse Marionneau. C'est celle-là. Hein. Non, ça c'est Blissim. Ah, elle est là. Donc la trousse Marionneau. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle a l'air bien dodue. Ouf. Elle est blindée. La trousse, elle est blindée. Déjà, je vois des masques. Ah. Ah. Je t'ai dit, je vais me déchirer la gueule avec tout ce que tu m'as envoyé. C'est vraiment ma go des skincare, quoi. Si vous voyez ses stories et ses publications sur Instagram, elle n'a que de la skincare. Eau de toilette, vaporisateur de... Aimez-moi comme je suis. C'est de quelle marque? Caron Paris. Je ne connais pas du tout. Merci beaucoup pour la découverte. Un masque pour le visage Garantia. Ça, c'est une très bonne marque que je connais. Une crème fraîche beauté de chez Nuxe. C'est pour le visage. Ah non, c'est un masque. Ensuite, elle m'a mis plein de petits masques pour le visage. Je vais me faire plaisir. Ça, je crois que je vais mettre ça dans mon sac de maternité quand je me fais chier à l'hôpital. Une eau micellaire de la marque SVR. Je voulais trop la tester, cette marque. On a, je crois, un mascara en rouge à lèvres et un ombre à paupières. On dit un ombre, une ombre à paupières. Bref, faites comme si vous n'avez rien entendu. Ensuite, on a Elisabeth Arden. Je connais pas du tout. C'est un échantillon. Un échantillon de parfum, cologne, courage. La go, elle me fait découvrir des marques vraiment au nom imprononçable. En quatrième, on a la trousse verte Blissim. Donc, c'est celle-ci. Et elle est super jolie, la trousse. Ouh! Plein de masques pour le visage. Je vais m'en donner à cœur joie. Et c'est d'une marque, je crois, coréenne. Si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de nom, c'est écrit en coréen. Donc je ne sais pas. Eh mais attendez. Attendez. En plus, c'est des masques de luxe. Un masque à la truffe. Un masque au caviar. Des masques aux œufs blancs.
Watch me me pavaner en story avec un masque au caviar, parce que moi je suis quelqu'un en fait. À l'intérieur on a aussi de la skincare aux peptides, soins éclatants pour la peau, tout ça, avec un petit roll-on pour le contour des yeux, ça j'en ai bien besoin avec mes poches qui descendent jusqu'à là là. Franchement là je suis trop contente, là j'ai de la skincare à gogo là. Numéro 5, petite envie de sortir, pas trop il caille hein, mais bon. Voici le cadeau numéro 5. Et on va une palette Makeup Revolution. C'est une palette Makeup Revolution avec des couleurs vraiment indispensables au quotidien. J'adore. Numéro 6, parce que je crois que tu vas t'en servir bientôt. De quoi tu me parles? Oh, trop bien, c'est pour mon bébé. Oh, c'est trop mignon. Oh, il y a un petit parfum pour bébé avec un petit lait de corps. Un baume oléo apaisant. Oh non, merci beaucoup ma chérie, ça fait trop plaisir. Mon bébé, il est gâté, merci beaucoup. Je suis toujours touchée quand on pense à mon petit bébé, merci. Numéro 7, un petit duo pour des yeux doux. Et quoi? Kiko et Melomélie. Melomélie, je ne connais pas. Donc on a Eye Brush. Un pinceau pour les yeux, donc on a un côté estompeur et un côté, je sais pas comment on appelle ce côté là, mais c'est bien pour appliquer les paillettes. Et un eyeliner de la marque Melimelo que je ne connais pas du tout. J'en connais pas du tout. On passe au cadeau numéro 8, petite douceur d'hiver. Le voici. Désolée si vous entendez mes voisins en bas, mais... Ouh, Morphée fois Coca-Cola. C'est quoi, Lip Cheek Duo? Ah, oh, j'adore. J'adore sans avoir vu le bail. Ouh, la couleur, elle est trop jolie. En plus, j'aime trop les glosses. Donc, c'est un gloss à lèvres de Morphée, la marque Morphée. Morphée ou Morphe? Anyway, Morphe en collaboration avec Coca-Cola. Trop, trop bien. Et qu'est-ce que c'est? C'est un blush, je crois, c'est ça? C'est ça. Un petit blush super rouge. J'adore le blush. Merci beaucoup, ma chérie. Numéro 9, elle m'a dit, clairement, ma fille veut les mêmes. C'est quoi? Des baumes à lèvres Choupa Choups. Ça, je suis sûre mon chéri va kiffer, parce que je vous jure qu'il me vole tout le temps mes baumes à lèvres. Et ça, je suis sûre qu'il va kiffer. Sauf si c'est coloré. Je kiffe, je connaissais pas du tout. C'est trop cool. Numéro 10. Alors avec ça, si tu n'as pas une belle peau, je ne comprends pas. Ma chérie. Moi qui suis en quête de belle peau tout le temps. Yes, yes, yes. Déjà je vois Inoya, ça me fait sourire. Donc c'est mon élixir régénérant réparant pour les peaux noires et mates. On adore, on adore. Coucou toi, tu sors d'où? Il y a mon chat, tu sors d'où? J'avais pas vu que t'étais là. Ensuite, on a un sérum radiant de la marque Kiko. Je savais pas que Kiko faisait de la skincare, je vous jure. C'est aujourd'hui que je le découvre. Un sérum super éclat de la marque Sephora. Sephora, leur skincare, vous négligez de ouf parce que c'est hyper efficace. Alors ça, c'est de la marque New Skin que je ne connais pas du tout. Et c'est un sérum régénérant, je crois. Je te crois sur parole, ma peau ne peut être que flawless avec ça. Numéro 11, un duo pour ton visage. Et je vous jure, si ma peau devient pas de l'or avec tous ces skincare là, c'est un truc de fou. Makeup Revolution. Makeup Revolution aussi, vous négligez, ils font de la très très bonne skincare. Comment que t'as scotché ça, Marine? Ma, qu'est-ce que t'as fait? Ah, c'est trop bien. On a un gel nettoyant à la niacinamide. La niacinamide, je vous en ai fait des éloges de A à Z. La niacinamide pour le grain de peau, c'est génial. Une crème nettoyante à la vitamine C pour l'hyperpigmentation. Ça, c'est top, c'est carré. Merci. Numéro 12, c'est la suite du numéro 11. Et pour le corps, bien sûr, ça j'en ai grandement besoin avec mon masque de grossesse. Ce n'est pas évident. Topi crème, c'est trop bien. Et tu m'as encore scotché ça comme ça? Alors, on a une gelée de douche. Attention, ce n'est pas un gel douche, mais une gelée de douche de la marque Taj Paris. Ainsi qu'un lait ultra hydratant de la marque Topi Crème. J'adore. Numéro 13, une merveille, j'espère que tu l'aimeras. De toute façon, je ne peux que aimer ce que tu m'as envoyé. Le parfum d'été poudré de Théophile Leclerc.
J'adore les parfums poudrés. Donc déjà, point positif. Et je connaissais pas du tout Théophile Leclerc. J'ai mis ça en plein dans mon nez. Ah, on dirait le parfum du colis vite fait. Ça ressemble un tout petit peu au parfum du colis. Ça sent super bon. Ah, j'adore. Le parfum, il est d'une douceur. J'adore, merci beaucoup. Mais ça, c'est pour sentir la déesse. En plus, ça se voit qu'il tient. Je vous jure, on néglige trop les parfums de marques pas trop connues. Numéro 14, pour tes futures courtes nuits. Je suis sûre que c'est un sérum pour le contour des yeux. Je sais pas pourquoi. Ah, je suis trop forte. C'est un sérum pour le contour des yeux au rétinol. En plein dans le mille. Vraiment en plein dans le mille. Je pense que j'en aurais grandement besoin. Merci. Numéro 15. Je les aime trop. Si tu les aimes, je ne peux que les aimer. Alors... c'est les masques de la marque Makeup Revolution en collaboration avec Jake Jamie. Je sais pas si vous les voyez souvent, moi je les vois souvent. Par contre j'ai jamais testé, donc c'est trop bien. Et c'est un masque lemon meringue. Je vais kiffer ça, je suis sûre. Numéro 16, une version mini que j'aime énormément. Qu'est-ce donc? Zoeva. Pareil, Zoeva, je connais mais j'ai jamais testé. La palette elle est trop mignonne de... c'est trop... oh c'est trop mignon. C'est tout petit, c'est trop chou. Et les couleurs elles sont super jolies, j'adore. On dirait des maquillages pour les bébés. C'est trop chou, c'est tout petit. Numéro 17, pour ton minois. C'est quoi? Nutricentials. Une crème gel hydratante pour le visage, je suppose. Oui, ça c'est parfait pour les peaux grasses. Si vous avez la peau grasse, il faut privilégier les textures gel pour le visage. C'est génial. Numéro 18, hydrater c'est la clé. Bien dit. C'est quoi? Ah c'est pour les cheveux. Je croyais que c'était pour la peau. C'est un masque régénérant de la marque Natura Lumina. Je ne connais absolument pas cette marque, merci. Numéro 19, une palette très chouette. Hop là. Ouh, slick. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette marque. Je crois que la première palette que j'avais, c'était une palette de Sleek Makeup. Ça me rappelle des souvenirs. Hop là, waouh, les couleurs, j'adore. C'est des couleurs très très automnales. Des couleurs de base aussi, pareil, avec des marrons nuancés, tout ça. Et les verts, je kiffe, j'adore, merci. Et le dernier, numéro 20, trop hâte d'en faire avant les fêtes. D'en faire quoi? Ah, c'est un spa, j'étais en train de réfléchir, je me disais, mais de quoi elle parle? Du coup, c'est quoi? C'est une crème hydratante masque de la marque Nutricentials, que je ne connais pas du tout. Je crois que tu m'as mis un autre truc de cette marque-là dedans, je ne me souviens plus. Et bah écoute, hein, faisons-nous un petit spa avant les fêtes pour se détendre sans les gosses, même si moi j'ai un gosse encore dans mon ventre. Mais non, mais je peux même pas aller au spa, en plus je peux même pas profiter du jacuzzi vu qu'on n'a pas le droit. En fait, je vous explique, quand vous êtes enceinte, vous n'avez le droit de rien faire. Rien, que dalle. C'est la fin de la vidéo, non mais regardez-moi ce colis qu'elle m'a fait. C'est un truc de ouf. Vraiment, je sais même pas comment te remercier. En tout cas, j'espère que le colis que je t'ai envoyé te plaira. Tu m'as refait mon Noël avec ce colis. Je suis trop contente. Je te fais plein de bisous et mille merci. J'adore. Vraiment, j'adore tout ce que tu m'as envoyé. C'est la fin de la vidéo, mes chouchous. Vous voyez à quel point cette nana, c'est une crème. Franchement, Marine, je t'adore. Merci. N'hésitez pas à la follow sur sa chaîne YouTube et à regarder la vidéo où elle déballe ce que je lui ai envoyé. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tuto make-up spécial fête de Noël et fête du 31. On va se la donner. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait des petits tutos bien détaillés. Ciao, ciao !